Bonjour mon cher Doc. Bonjour à tous. Nous voici dans la commune de Saint-Calguildo. Donc nous avons en face le château de Notre-Dame de Guildo qui est en pleine reconstruction. Ce sera une petite vidéo aussi que j'irai faire là-bas. Mais là nous sommes avec quelque chose qui est un peu énigmatique. C'est que nous avons des pierres qui sonnent. Et donc nous allons les faire sonner. Donc je vais t'en faire la petite démonstration. Je vais prendre un caillou par terre. Donc on peut regarder ici. Rien de spécial, on peut le dire. Puis par contre ici. Donc ce sont des pierres dites amphibolites et qui auraient une densité différente des pierres, des autres pierres. Donc il y a une légende avec Gargantua, que Gargantua apparemment les aurait avalées et les aurait vomies sur la plage. Donc voilà, ici rien, ici ça résonne. Ici ça résonne. Et regardez celle-là. Rien du tout. Donc voilà. Donc ça reste un petit peu un mystère quand même. Donc je vais aller juste sur un autre site un peu plus loin. Je vais couper la vidéo. Et il y en a un tout petit peu plus loin dans le fond. Donc je vais couper la vidéo. Et je vais en faire une petite deuxième. Donc voilà la deuxième petite vidéo. Donc nous sommes sur un deuxième site en fait. Le château il est encore là, il n'a pas bougé. Et voici les autres pierres. Donc je vais vous refaire la démonstration. Regardez. Donc il faut un caillou un peu spécial pour les faire sonner. Donc regardez ici. On n'a rien, toujours rien. Par contre, et là c'est flagrant, et surtout ici, voilà. Rien. Ah là, celle-là, on entend bien. Et on dirait que elle résonne avec une autre note. Donc on a l'impression qu'elles sont vraiment creuses. Mais la densité aussi doit jouer. Donc voilà mon cher Doc, c'était cette petite vidéo que je voulais te faire. Donc à mon avis, il va en avoir plein d'autres. Parce que Monsieur Giorgio, il a de la ressource. En vous souhaitant une bonne soirée à tous, et merci.